Aujourd'hui, je vais vous expliquer quelque chose que je rencontre quasiment systématiquement chez mes élèves et qui les empêche de progresser. Alors voilà, je suis parti de chez moi, il y avait plein de brouillard, donc je me suis dit, on va prendre un peu de hauteur et voir si on émerge un peu de la mer de nuages. Et je crois que je viens de trouver l'endroit un peu sympa, regardez ça. À mon avis, le point va valoir le coup d'œil. À mon avis, ça va en valoir le détour. Cela, on arrive de l'autre côté du Luberon. Et effectivement, oh waouh! Ah oui, je me suis pas trompé. Bon, c'est cool, j'ai trouvé mon point de vue, ça y est, on va rester ici un petit moment. Ah, on voit même les Alpes là-bas, tout au bout, les Alpes enneigées. Je crois qu'on va se trouver un petit point de vue ici, bien en hauteur, au milieu de la végétation toute gelée. C'est magnifique aussi ça, ça mettrait de beaux gros plans sur certains végétaux. Vous avez vu ça? Alors logiquement ici, je vais rester au téléobjectif. Hein. On a une vue de dingue et franchement, je pense que ce petit joujou là, il va rester sur mon boîtier pendant toute la séance parce que j'ai bien envie de capturer là-bas les, comme je vous l'ai dit, les sommets enneigés des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes derrière. Et puis là, voilà, vous voyez ces couches qui sont embrumées et je retrouve un petit peu certains paysages de Toscane ici, avec des collines qui sont entrecoupées de nappes de brume. Il manque quelques cyprès pour y être et puis voilà. Vraiment, ce coin-là est magnifique, j'y reviendrai. Alors vous voyez ici, la première chose que je fais, c'est de ne pas sortir mon matériel photo. Je prends un petit moment pour observer et m'imprégner des lieux, de la lumière, des couleurs qui se dévoilent devant mes yeux. Et ça, ce moment-là est très important. C'est très important parce que il me permet en fait de me constituer l'image mentale de ce que sera ma photo finale. Voilà, donc c'est à cette étape-ci que j'élabore en fait mentalement l'image finale, la photo en elle-même. C'est-à-dire que, avec les éléments qui me sont donnés, la lumière, les couleurs du moment, je vais pouvoir imaginer, à travers quelques techniques que j'ai développées au cours du temps, le résultat de l'image finale. Donc, ça, c'est la première chose que je constate souvent en stage, c'est que les élèves sont déjà avec leur appareil photo dans les mains, en train d'essayer de trouver des compositions, etc. C'est important, mais ça vient après. Et je les invite toujours à se poser un petit peu et puis à ne pas se précipiter. En photo, il n'y a pas d'urgence, surtout en photographie de paysage, sauf à de rares moments. Hein. Mais en règle générale, quand on s'y prend bien, quand on prépare sa sortie, quand on, un minimum, hein, sans forcément savoir où on va, mais quand on imagine un petit peu comment on va faire, on n'a pas besoin de se précipiter. Il ne faut pas se précipiter. La précipitation, de toute façon, c'est mauvais dans tous les domaines. Donc, prenez le temps de réfléchir et d'essayer de vous représenter mentalement cette image. Qu'est-ce que sera votre photo? Qu'est-ce que vous voulez faire, en fait, avec votre appareil photo? Qu'est-ce que vous voulez montrer? Qu'est-ce que vous voulez mettre en valeur? Donc ça passe par la recherche du sujet. Ça, j'en ai très souvent parlé dans mes vidéos. Hein, donc, vous voyez qu'on n'est même pas encore à l'étape de je sors mon appareil photo. Là, je suis en train de rechercher dans le paysage ce qui m'intéresse. Voilà. Donc moi ici, j'ai ma petite idée. Et à partir de là, je vais essayer de la constituer, cette image. Je vais essayer de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire comment je vais faire pour y arriver. Voilà. Et je vais vous montrer que, par exemple ici, moi, ce qui m'attire tout de suite, c'est donc ces sommets des Alpes enneigées là-bas et ces différentes couches de brouillard, de brume là, qui entrelacent les collines
Voilà, ça c'est deux sujets que j'ai envie de photographier aujourd'hui et j'ai une petite idée là maintenant de ce que sera mon image finale. Alors vous voyez ici par exemple, j'ai isolé cette colline qui émerge du brouillard. Alors sur la caméra vous n'allez pas voir grand chose, quoique on la distingue bien ici, hein. Donc vous voyez dans ce grand paysage, j'ai choisi déjà de me concentrer sur un détail du paysage. On ne va pas tout photographier ici. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont là les détails. Et donc, j'ai cette image en tête qui m'est apparue assez rapidement parce que j'ai aussi de l'expérience, forcément. C'est plus facile quand on a de la pratique. Et c'est pour ça que la pratique est très importante parce que c'est ça qui vous constitue l'expérience au cours du temps ou au fil des années. Et que forcément, quelqu'un qui a 20 ans de pratique derrière lui aura beaucoup plus de facilité à se représenter cette image mentale parce que il aura une banque d'images mentales qui sera bien plus importante que celui qui débute aujourd'hui. Mais il faut bien commencer quelque part. Et pour les débutants qui m'écoutent, je vous invite vraiment à pratiquer très souvent, à vous forger cette expérience, à vous faire cette banque d'images mentales pour que après, ça vienne beaucoup plus rapidement et beaucoup plus instinctivement. Voilà. Alors cette technique de la visualisation que je développe beaucoup au cours de ma pratique et que j'enseigne à mes élèves, elle passe par ce deuxième point qui les empêche donc de progresser, c'est tout simplement la maîtrise des réglages de leur appareil photo. On arrive souvent avec une connaissance moyenne des réglages. C'est même pas tant des réglages, c'est surtout de son propre appareil photo. C'est-à-dire que sur un appareil photo, on n'est pas obligé d'utiliser tous les réglages. Et évidemment que je n'utilise pas tous les réglages de mon appareil photo. Je dis toujours, il y a 20% des réglages sur un appareil qui vous permettent de faire 80% de vos photos. Le reste, c'est de l'exceptionnel, c'est des photos qui nécessitent certaines compétences, comme la photographie de nuit, la photographie peut-être animalière, ce genre de choses. Mais en photographie de paysage, vous n'avez pas besoin de maîtriser l'ensemble de des réglages de votre appareil photo. Par contre, ce que vous devez maîtriser, c'est certains réglages, et vous devez les maîtriser parfaitement. C'est-à-dire que vous ne devez même plus réfléchir où se trouve tel bouton, dans quel menu rechercher tel réglage, ce genre de choses, vous voyez. Ces petites choses avec lesquelles vous perdez beaucoup de temps et qui vous donnent une charge mentale qui vous empêche de mettre votre esprit totalement tourné vers la créativité, donc la composition et comment vous allez faire pour fabriquer votre image. Voyez donc, passer du temps dans les manuels d'utilisation, encore une fois, la pratique, il n'y a que ça qui est vrai, pour toutes ces raisons-là, parce que plus vous allez pratiquer et plus votre appareil photo va devenir une extension de votre main, et vous n'aurez même plus à regarder votre appareil photo pour savoir quel réglage changer, pour quel réglage choisir aussi, et tout ça, ça n'a pas de prix quand vous êtes face à un spectacle comme ça et que vous devez rapidement en fait choisir quel réglage technique pour fabriquer cette image que vous venez d'imaginer dans votre esprit. Voilà. Alors vous voyez maintenant je viens de cadrer ma deuxième composition. Avec les sommets là-bas qui se dessinent de mieux en mieux au fur et à mesure que le soleil se lève. Alors je suis un peu déçu parce que j'ai pas les petites nappes de brouillard qui se trouvaient quand je suis arrivé, mais on peut pas être partout à la fois. Ceci dit, je suis très content des deux images que je vais faire aujourd'hui parce que vraiment c'était un peu inespéré quand je suis parti de chez moi dans la brume et dans le brouillard même. On distingue même là-bas maintenant la barre des écrins. Alors regardez ici, j'ai trouvé un troisième sujet qui est la montagne de Lure qui se trouve juste devant moi et qui vient d'émerger du brouillard. Donc j'ai pu aussi faire cette composition très serrée mais qui nécessitera de toute façon encore un recadrage au post-traitement. Ce qui m'amène à vous parler cette troisième petite chose qui vous empêche de progresser. La visualisation de l'image mentale, les réglages de votre appareil photo
eh bien, ce sont la maîtrise du logiciel de post-traitement. C'est-à-dire que c'est cette étape finale qui va vous poser problème. Parce que, et elle est liée à la première chose qui est la visualisation de l'image finale, c'est que vous ne pourrez pas, ou vous aurez beaucoup de difficultés à visualiser cette image si vous ne savez pas à l'avance quels effets vous allez pouvoir créer dans votre logiciel de post-traitement. C'est logique. Donc, plus vous passerez de temps, encore une fois, à pratiquer, à passer du temps sur vos images, sur les retouches de vos images, et à vous familiariser avec tous les curseurs, et Dieu sait qu'il y en a de plus en plus maintenant dans les nouvelles versions de Lightroom ou de DxO Photolab, vous aurez du mal à déjà accéder à cette étape de la représentation mentale de votre image finale. Voilà, donc là maintenant je viens de photographier la barre de montagne des Alpes de Haute-Provence là devant moi. Ce que je vous propose en fait, c'est de poursuivre cette vidéo dans une prochaine vidéo et de vous montrer devant mon écran d'ordinateur l'image finale, les images finales de cette scène, pour que vous compreniez en fait de où je pars et là où j'arrive. C'est-à-dire que la photographie, pour moi, ici en paysage, c'est un processus. Alors moi, c'est ce que je trouve intéressant, justement, c'est ce qui m'anime, et c'est comme ça que je conçois ma pratique de la photographie de paysage. Bien évidemment, j'aime partir à l'aventure sans rien préparer. Maintenant, lorsque j'arrive sur une scène qui me touche et que j'ai envie de photographier, je me pose toujours cette question. C'est jamais quelque chose que je fais à la va-vite. C'est justement ce moment-là que j'aime pour pouvoir me retrouver seul dans la nature. Et ce n'est pas, encore une fois, une question de précipitation, surtout pas, parce que le but, il est bien sûr de faire des photographies, de faire des belles photos, mais pour moi, il est d'abord et avant tout de passer un moment ici, dans le moment présent, de vivre le moment présent et pas de me précipiter, de me presser pour faire quelque chose et tout de suite aller à un autre endroit pour faire autre chose. J'aurai tout le temps de le faire après, normalement, et sinon, bah tant pis, mais au moins je profite de mon moment ici et maintenant. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous aidera à faire de plus belles photos et en tout cas à comprendre l'intention photographique qui se cache derrière chacune de mes photos, et aussi de comprendre la méthode que j'utilise pour créer ces belles images, parce qu'il s'agit véritablement d'une méthode, c'est pas quelque chose que je fais au hasard, ou ces photos ne sont pas dues à la chance, en tout cas pas toutes, et il faut une part de chance, mais la capacité des photographes à créer régulièrement de grandes images n'ont rien à voir au hasard, ne sont pas dus à la chance, ils sont dus à une méthode qui a fait ses preuves et que je vous explique et que j'aime partager avec vous dans ces vidéos donc, et en stage, en photo. D'ailleurs, à ce sujet, je vais bientôt partager le calendrier 2023 des stages photos. Alors cette année, je vais en faire plus, pour le plaisir de beaucoup de personnes, parce que l'été dernier j'en avais fait deux, et pour la floraison des lavandes, et le constat était sans appel, c'est que vous en réclamiez d'autres, à d'autres moments de l'année, donc, et ça moi ça me va bien, parce que vous savez que en Provence il fait très chaud l'été, et que la floraison de la lavande c'est vraiment les derniers moments où on peut vraiment faire de la photo en journée. Après, c'est pas agréable. Alors que d'autres saisons dans l'année, comme l'hiver, comme le printemps, comme l'automne, sont parfaites pour apprendre la photo. Et donc, on a des conditions exceptionnelles, hein, qu'on n'a jamais en été d'ailleurs. Vous voyez tout ce brouillard là-bas, vous ne l'avez pas en été. Et ça, c'est en hiver, en automne, un peu au printemps. Mais voilà. Donc, il y a beaucoup de stages qui vont arriver. Donc voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt pour ça, et puis bien évidemment pour d'autres vidéos, parce que c'est reparti, on reprend les bonnes habitudes. Allez, bonne photo, et puis à bientôt. Ciao!